tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'aventure suivie sur Riders. Donc on s'est arrêté ici et on va essayer de voir si on peut se faire Fleetfoot. On va voir ça tout de suite. Donc maintenant ce sera des petites vidéos de 20 minutes. Oh là là, Fleetfoot il va être chaud. Déjà que j'arrive à passer, ça c'est une autre histoire. Allez, esquive pro. Pourquoi je le vois? Pas esquive pro du tout, hein. Ah oui, j'en ai que deux, donc ça aurait pu être bien pire. Pourquoi je l'ai ouvert encore une fois? Ça peut toujours être pire. Tiens, j'ai up. Cool, j'ai up niveau 10. On va s'occuper de ça. Si j'ai rien, on va prendre un nouveau skill. Dog slash. Ouais, échanger c'est un peu. Voilà. D'accord, c'est ça le dog slash. On va les aider un peu. Donc, Fleetfoot, c'est le boss qui commence à devenir chaud. Casse-toi. Aïe, il a failli me bouffer celui-là. On va les aider un peu, même si je m'en fous du loot, hein, c'est pour ça que je veux pour le moment. Voilà, donc... Non, finalement, cette vidéo sera la dernière vidéo de cette aventure suivie. Parce que je vois pas trop pourquoi je continuerai et je veux pas vous faire tout le jeu. De toute façon, vous pouvez voir, c'est un jeu gratos, donc... Il suffit que vous l'installiez sur votre PC, c'est bon. Oh non. Vous me dites qu'il tue avant. Non, non, c'est bon. Ouf. Ouais, donc c'était, ça va être la dernière vidéo, donc une dernière vidéo de 20 minutes pour vous un peu vous présenter le jeu. Ce sera pas une petite, ce sera pas vraiment une aventure suivie. Une petite présentation sur ce jeu de 6 vidéos, donc voilà quoi. Mais en même temps, je dis ça parce que le jeu commence un peu à me lasser. Moi, franchement, j'ai d'autres jeux à faire, à filmer, d'autres jeux en bêta qui vont bientôt sortir. Donc voilà pourquoi je peux pas continuer indéfiniment ce jeu. Voilà, donc. C'était quoi ça? Autant de bonnes. Oh non, éliminer Fleetfoot. Non, autant. Voilà, voilà. Donc on va faire quelques quêtes encore et dans pas longtemps on s'arrêtera là. Vu comme c'est un MMORPG, il n'y a pas vraiment grand chose à dire, il y a des quêtes à faire et tout, donc ça doit en même temps être lassant pour vous, et ça commence à être lassant pour moi. Voilà, du Findel. On récolte ça aussi, hop.
Voilà. Oh là là, y en a qui me... Ils me parlent pas, non? Puis merde, de toute façon. Bon. Nous y sommes, Christine. McDonald. McDonald. Non, non, c'était pour eux. Point, 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 point. C'était pour eux, ouais, je sais. Allez. On y va. Je passe en mode auto. Une citrouille. On repasse en mode auto. Une autre citrouille. Attaque de citrouille. On repasse en auto. J'ai combien de bombes? On voit 19, il m'en fout 250. Waouh! Bon. Par où passer? Encore une citrouille. Ce qui m'en fait déjà 12. Ah non, 32, pardon. Alors, voyons voir McDonald's. Ouais, donc peut-être que je reprends des vues sur ce jeu si jamais il repasse en français. Voilà quoi. Mais s'il reste en anglais et tout, je compte pas en faire, hein, franchement. Voilà, donc le blacksmith, McDonald. Voilà. Ouch. Voilà, ça c'est bon. Bah en fait je pense que ce sera une petite vidéo de 10 minutes parce que franchement je vois pas pourquoi je continuerai à faire les quêtes là actuellement, ça servira à rien de toute façon. Donc j'espère que cette petite, on va pas dire aventure suivie, ce petit test approfondi de Rider Z vous aura plu. Et on se retrouve pour comment dire, pour d'autres tests, d'autres tu peux pas tester, etc. Donc j'espère que ceci vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu, et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!